La communauté nationale célèbre chaque 10 janvier le Vaudou, une célébration qui est d'une grande importance pour le peuple béninois puisque ce jour est décrété sommet pays. À travers cette fête, les peuples africains rendent hommage à tous les enfants africains qui ont vécu d'une manière ou d'une autre la traite négrière. Que comprendre véritablement de cette fête? La fête du Vaudou, c'est une fête où nous rendons hommage à nos enfants qui sont partis, à nos enfants qui ont été entassés, qui ont été traités d'une manière inhumaine. Beaucoup sont morts sans même avoir l'occasion d'arriver vers le nouveau monde, comme on l'a appelé. Chaque fois que nous fêtons le Vaudou, c'est à ceux-là que nous pensons. Nous leur rendons hommage pour leur courage. Nous devons valoriser, nous devons œuvrer pour la pérennité de nos valeurs culturelles ancestrales. C'est ce que nous faisons à l'ADA depuis 22 ans. Même si nous ne savons pas où nous allons, nous ne devons pas oublier d'où nous venons, dira Reine Djerami. Nos enfants qui sont partis, nos enfants qui ont tourné 3 fois autour de l'arbre, afin qu'ils oublient d'où ils viennent, n'ont pas oublié. Toussaint Louverture, à travers le Vaudou, à travers la cérémonie de bois caïman, laquelle cérémonie nous venons d'effectuer en ce moment, a pu vaincre Napoléon Bonaparte. Toussaint Louverture a pu vaincre l'esclavage. Nous ne pouvons pas oublier d'où nous venons. Même si nous pensons savoir où nous allons, nous devons toujours penser et garder en tête que nous venons de quelque part. Le Vaudou, c'est notre culture. Le Vaudou est culturel et culturel. Ainsi, cette 22e édition de la fête du Vaudou est l'occasion pour Sa Majesté Kpodegbe d'introniser l'un des fils d'Alada. Docteur Dier. Nous allons vous donner vos attributs de prince. Le chapeau princier. Nous allons compter 9 fois pour vous faire porter. Before wearing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Nous voyons. Tout ce que lui touche devient de l'or. Sous le bras. Non, pas derrière. Voilà. Le Vaudou apparaît désormais comme une religion très forte et bénéficie d'une reconnaissance totale dans le monde entier. Car il fait partie de nos valeurs ancestrales sacrées, il est ancré en nous.